Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff, whoopsie, du Not So Berry. Elle est où? Elle est là à la maison. Avec, comme toujours, notre petite famille Rainbow. On voit les culs de Rainbow qui vont se coucher. On retrouve évidemment notre famille. Et la dernière fois, en fait, après le live, j'ai relooké la petite prune. Eh bien, avec les abonnés de Twitch. Avec avec Twitch, en fait. Donc, comme ça, elle était relookée tout de suite. Les cours de prune commencent dans une heure. Ah oui! Ça y est, t'es en retard, cocotte? Bah alors. Du coup, prune a ce magnifique t-shirt chat Galaxy parce que. Parce que ça le fait, quoi. Voilà. Salut, les retardataires. Oh bah, c'est pas les retardataires, hein! C'est parce que soit ils sont. Il y en a qui sont pas dispo, ou. Ou juste ils veulent pas aller sur Twitch. C'est pas des retardataires pour autant. Bon, alors, depuis quand c'est. Attends meuf. Qu'est-ce que... Quoi? Toi tu vas aller bosser. Toi tu bosses pas. Attends parce que tout le monde dort encore. Mais c'est quoi cette histoire? Bon elle peut dormir on va viser oh, putain on est qu'au niveau 5 hein. On va viser le niveau 6. Ce qui est pas fameux biche. Adonis lui devrait avoir. Mais il l'aura pas parce qu'il a pas les compétences. Il va bosser dans 53 minutes. Bah je vais le lever. Hein? Voilà, il va faire ses petites ablutions. Et donc, du coup, si lui, je l'envoyais au boulot et que elle bosse, c'est-à-dire que les jumelles vont aussi se barrer. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que j'aurais pas les gérer. Donc, c'est merveilleux. Et est-ce qu'elles... Oula. Elles grandissent dans 2 jours. Ah! Donc, on aura peut-être l'anniversaire des gamines. Oh, on pourra peut-être voir si elles seront jumelles. Au niveau visage, je parle bien sûr de la forme du visage qui va se ressembler ou pas du tout. Ou juste pas. On sait pas. Non mais je me disais que si tu avais un compte... Ah oui, c'est pas moi que tu parles, d'accord. Plus que 2 jours de souffrance sur... Ouais, ouais, non mais ça commence à me faire peur parce que bon, maintenant que je me tape des gémeaux... Mais vas-y, tu vas tout casser, gars! M'appelle le réparateur, hein, parce que bon, là, ça va être complexe, hein. Bon, on a des sous, on pourrait payer. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu fais de l'éducation. Mais on dirait une. Pendant son temps libre, Prune a fait un dessin inapproprié à la montrer à ses camarades. Et quelques coquines. Cela les a fait beaucoup rire et perturber le reste de la journée d'école. Mais on dirait une quoi? Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'elle a dessiné? Vous croyez qu'elle a dessiné quoi? Une quoi? Ah, on va influencer les manières. Ouais, bon, ça va, l'empathie, ça ira mieux plus tard. Oh! J'avais pas osé. Cuculate praline. Salut Ricardo, comment tu vas? T'as combien de simflos? Bah, il est écrit. Je serai preuve du. Je crois que vous le voyez. Oui, vous le voyez. Que... Pas de soucis. Bon alors, ma petite nuage, va falloir. Non, alors tu vas pas faire le ménage, je pensais que t'allais manger. Donc c'est bien, tu vas chanter. Allez hop, bah, il faut arriver au niveau 10 hein, les enfants, donc faut quand même qu'elle se bouge un peu le fion pour ça. Elle va mettre des vaisselles là-dessus, là, c'est vrai qu'il n'y en a pas encore assez, des assiettes. Merci. Tandis qu'Adonis part travailler, et il va travailler dur. Et puis on va avoir un moment de détente. Salut Elisa, salut Banner, comment vous allez? Oui, on a déjà commencé. Parce que à 20h il y a le live des Sims et il faut que je le regarde. Voilà. Bravo Liane. Du coup ben on va profiter du chant de notre belle nuage. En attendant qu'elle aille au taf. Pendant que les monstres dorment. Oh, mais la vente. La vente s'en va pas, hein. Je sais pas ce qu'elle a foutu mais. Ça va. Fait chaud. Si j'avais su. Elle en est où d'ailleurs? Oh bah on va arriver au niveau 8. Je sais pas si ça fait beaucoup augmenter le karaoké en vrai. Enfin, je teste avec juste le chant quand elle chante a cappella en fait. C'est bien, il nous a tout réparé. Et elle est déjà passée. Ah, merveilleux! Madame! I'm alone, I'm alone.
belle voix. Live disponible pour tout le monde ou que les Game Changer? Non, c'est le... Bah non, c'est le live des Sims sur Twitch, donc pour tout le monde, bien sûr. Mais je vais faire, comme je disais, je ferai deux vidéos. Enfin, une sur ce qui va être mise à jour bientôt pour tout le monde. Donc je ferai une vidéo spéciale. Et peut-être une vidéo sur toutes les infos qu'on avait reçues, nous, en avance. Qui vont normalement être dites ce soir, mais comme il me faut du visuel pour illustrer ma vidéo, faut que je sois sur le live. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Désolée, YouTube. Allez, chante! Oh, j'ai pas le temps, moi, aujourd'hui. Allez, niveau 8, là! Allez, c'est bon, niveau 8! Allez. Je sais que vous aimez quand elle chante. C'est vrai qu'elle est génie, elle, donc ça ne dérange pas de... J'ai pas sorti les règles. Par contre, t'es en avance, cocotte. Non, non, mais là, t'es en avance, c'est pas beau. Voilà. Bah alors, on sait pas chanter, Nuage, qu'est-ce que ça veut dire? On est à quel niveau de fitness? Je ne sais plus, fitness, on n'est même pas au niveau 9. Allez. Tu vas aller courir. Bah tant pis, c'est comme ça la vie, hein, ma pauvre. Notre femme de ménage n'a pas voulu nettoyer les taches de peinture, hein. C'est pas... C'est vrai que la semaine dernière, j'avais failli égorger tout le monde. Mais ça va, il y a plus que... Regardez, les bambines, elles dorment encore, je suis tranquille, là. Je me consacre à mon héritière, on n'a pas encore fini sa génération, elle n'est pas validée du tout. Hein. Donc, on fera ce qu'on peut. Hein. Moi aussi, je fais du karaoké en corset porte-jartel. Ah ouais, moi c'est ma passion secrète. Je le dis pas parce que, bon, après, les gens, ils vont te regarder bizarre, mais moi, c'est ce que je kiffe en vrai. Ah, regardez, elle va partir au taf. Vas-y, part au taf. Les jumelles se sont pas réveillées, c'est un vrai bonheur. Allez, va taffer. Ah, garderie! Oh! Bah alors, Mini! Oh putain, elle a de ses boobs, mais je m'en remettrai pas. Les filles. Comment tu sais que c'est des filles? Alors, c'est pas parce que j'ai une... Il faut pas confondre expression de genre et genre, d'accord? Pardon. Du coup, on va la gérer, non, parce qu'elle fait... Elle travaille dur, hein, donc... Ça y est, Prune est rentrée. Tu peux dire bonjour à ta tata. Ta tata, oui. Tu la connais pas? Genre, tu l'as jamais parlé? Prune, elle pue, hein. Sans offense. Qui es-tu? Je suis ta tante. Comment vas-tu, petite prunette? C'est une prune moisie que vous avez là. Tu vas faire connaissance. Tu vas parler de l'école. Allô. Et puis après, tu iras prendre une douche. Mais regardez. Mais on a une femme de ménage. Elle est venue faire quoi? Sérieux? Regardez, il y a encore de la merde, plein de pots et tout. Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Une femme de ménage qui n'est pas encore compétente. Franchement, on les paye à faire quoi? Franchement, c'est une honte. Cours, Nuage, cours. Salut Elios, comment tu vas? Genre, gagne de la notoriété alors qu'elle chante solo dans son salon. Eh ben, écoute, moi aussi je chante solo dans mon salon. Je gagne aussi de la notoriété. Je plaisante, évidemment. Demande d'avis, Nuage doit donner une évaluation sévère. Alors, on va ajouter des compliments, évidemment. Chose que mon ancienne chef ne faisait jamais. T'avais juste envie de te suicider après, parce que tu te disais je suis une grosse merde. Ce qui est pas faux. Après, il ira manger. Il n'y a plus de voix d'un coup. Ah, on va surveiller. Cocotte la joie qui est censée avoir son... Elle est censée avoir son niveau 6, enfin, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on va devoir se taper le niveau 10 en charisme? C'est chiant. J'en ai marre de maxiser tout à chaque fois. Parce que là, pendant ce temps-là, elle travaille, machin. Oh, dis, je t'ai vu, toi, dire des sales mots, là. Elle a rencontré Vincent. Bah ouais, t'aurais pu t'abstenir, j'ai envie de dire. Oh, et lui, il travaille dur, il en a marre. Ok, tu vas retravailler dur. Parce que je vais être sûre que tu fais ton... ta promotion. Je vais y arriver.
Parce que là, tout est bon, tout est jaune, tout est validé, hein. Bon, écoute, tu vas faire la femme de ménage alors, hein, et tu vas nettoyer tes conneries, hein, parce que c'est peut-être toi ou tes sœurs. Bon, ça revient au même pour moi. Mais il faut savoir ce que tu veux. Tu veux rentrer ou tu veux rester à la porte, Mini, là? Nous, on t'a parlé, hein, je sais pas. La responsabilité. Allumer la journée et cocotte. Ah, tu veux te divertir, t'es casse-pied aussi. Jeu un jeu multijoueur avec Mini, allez, vas-y. Je regarde. Ah, vous avez pas un peu froid, madame? Qui s'appelle? Ah, Soleia Edex. Ça me rappelle le fameux personnage de Tyrion Edex. Salut Sean, comment tu vas? On a déjà commencé. On a commencé tôt aujourd'hui. Je l'ai fait Ken de où ils sont au boulot. Attends, dis pas de bêtises, Helios. Oh, la tête, comment elle joue. Bye, Flo! Ah! Alors, il a pas eu sa promotion. La Vendée Lila sont rentrées. Lui. Oh punaise, il a pris de la brioche, hein, Adonis. Hein. C'est plus un Adonis. Hein. C'est comme ça, tu peux rejoindre la partie ou. Éteindre console, rejoindre la partie. Ouais, vas-y. Non, on s'en fout de la gosse. Casse les pieds. Bah, elle a qu'à jouer, hein. Elle a déjoué sur elle. Bah alors. Joue. C'est bien, les gamines, elles m'ont pas trop cassé les pieds pour l'instant. Et elle a toujours les poivrons de sa sœur. Alors, divertissement. Bah, tu as un jouet. Non, tu vas pas montrer de jouet. Je me suis trompette. Tu vas jouer tout court. Voilà! Les filles, vous allez être tranquilles jusque votre anniversaire. Vous n'allez pas me faire arracher les cheveux, ce serait cool. Quand même. Je suis en étoile dans mon lit. Mais il fait même pas 30 degrés, les enfants. Vous ferez comment quand il fera 45 en juillet-août? Franchement. Oui, ça va, toi, qu'est-ce que je me suis dit? Ça commence tôt. Bah ouais, parce que à 20h, il y a le live des Sims, en fait. Donc. À cause du Legacy, j'ai l'impression que ça fait un mois qu'on n'a pas fait NSBC. Et pourtant, ça fait qu'une semaine. J'avoue, dans le Legacy, on a énormément avancé. D'ailleurs, pour YouTube, si vous savez pas, je fais un Legacy simple. Uniquement en live sur Twitch. Donc si vous voulez suivre les aventures, c'est en live sur Twitch, tout simplement. Et c'est gratuit. Hein, vous créez un compte ou même pas, vous allez juste voir la chaîne. Il y a, dans l'onglet vidéo, vous pouvez voir les rediffs, vous pouvez voir les lives. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pour discuter, vous pouvez juste regarder. Et au pire... Puis on peut vous inscrire et nous rejoindre, comme le fait, vient de le faire Joas Game. Voilà, merci beaucoup à toi et ton follow. Salut Nani, comment tu vas? Moi, 45 en juillet-août, je suis en PS dans mon appart. Bah, tu m'étonnes. Pareil, hein. Oui, tout s'explique, bah ouais. Comme je disais, comme je vais devoir avoir de... Je vais enregistrer certains passages pour illustrer des vidéos que je vais faire sur YouTube, donc faut que je sois sur le live, en fait. Voilà. Pour pas perdre trop de temps. Mais la chaleur dans le nord, je supporte pas bien, alors que dans le sud, je maîtrise. C'est bizarre, ça. Tu penses faire un legacy en particulier? Un legacy particulier? Un legacy particulier? Qu'entends-tu? Toi, tu vas aller faire du sport. Mais regardez, la femme de ménage, elle a pas nettoyé là non plus. Mais c'est une vraie conne, hein. Voilà, jarté, hein. Tu veux faire à manger, servir au dîner? Oh, les boulettes de viande. Allez, fais-toi plaise. Fais-moi plaise. Des boulettes de viande à l'italienne, à la dente. Okay. Tout le monde est dans le rose. Tu t'ennuies, Prune? Tu vas faire tes devoirs? Tu vas voir, tu vas moins t'ennuyer. Pendant que maman, elle a toujours sa promo. Ah, il pleut. J'ai envie d'une promotion. Elle rentre à 21, ça y est. Oui. Niveau 6. Oh là là, c'est dur, hein. On a du mal, hein. Voilà comment la tête qu'elle fait. Nuage, elle est promue, elle fait ça. Je suis pas contente. Qu'est-ce que tu me fais? Ouais, je. Bon, elle est belle, quand même, notre héritière. Ah, au promu, au poste de jeune pro. Gagnera désormais 15 simflouzes de plus par heure, soit 66 simflouzes de l'heure au total. Et une prime de 537 simflouzes et des nouveaux vêtements. Écoute, voilà, tu vas retourner déjà travailler? Tu peux pas tout de suite y aller? Oh, t'es chi...
Allez, tu vas chanter sous la douche. Non, tu as pas besoin de faire pipi. Bah, ton mari il est en train de te faire à manger, les gamines. Les gamines, elles vont avoir faim. Elles vont se déplacer avec leurs petites jambes. Elle a pas faim, Prune, donc c'est bien. Et Minnie qui est là et qui ne sert strictement à rien. Bon, elle fait beau. On dirait une belle plante, quoi, je veux dire. Elle a bien été nourrie. Voilà. Voilà! C'est magnifique. Oui, venez en live tweet, on est gentil. Enfin, la plupart du temps. Oui, c'est vrai. Je valide cet argument. Viens, cocotte. Viens parler avec ton mec. Tu vas complimenter la tenue. J'aime trop sa tenue comme ça, nuage. Je l'aime trop. Tu vas y mener la journée. Tu vas gonfler à bloc parce que... Dis donc chérie, t'aurais pas pris un peu de gras ces derniers temps? Venant de moi, c'est assez rigolo, hein, mais... non, Ricardo, je la connais pas. Et je pense pas que j'aurai le temps de chanter aujourd'hui. Donc je vais te rembourser. Salut Tatou, comment tu vas? Waga. Thompson. Gelna. Yarb. Yes. Lubna. Waah. C'est un scandale. Bon, écoute, je peux rien moi. Faut me demander avant, hein. Faut te dépenser vos sous là. Je te rembourserai, c'est pas un souci. T'as raté beaucoup. Je ne dirais pas comme les autres qui disent en gros 42 minutes de live ou 17 minutes d'épisode de machin parce que je suis pas une connasse. Mais t'as raté, non, pas grand chose. Ils ont été bossés ou ils ont été à l'école. Les gamines là, je les ai pas eues, elles étaient en garderie, c'était magnifique. Et Nuage vient d'avoir sa promotion. On est enfin au niveau 6. De la je sais plus, de la carrière, je ne sais plus. Alors il faut qu'elle s'entende bien avec ses enfants. Tu vas prendre la responsabilité. T'as pris quoi toi? T'es que responsable. Ah là, le contrôle des émotions aussi, c'est bien ça. Tu vas aussi l'éduquer parce qu'il faut avoir 10 en éducation. Encourager, tu peux, voilà, tu l'encourages à faire ses devoirs, c'est très bien. Regardez moi ça galope là derrière. Regardez ça là! Le petit cul violet là à la vende! Oh la biche! Et les gamines là vont grandir dans 2 jours, hein, normalement. Donc peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Salut Lydie, comment tu vas? Merci de ne pas être une connasse. Oh, on est toujours le compte quelqu'un, comme je dis. Donc je suis sort forcément la connasse. Mais lui là! Il va dormir, mais quel feignant! Je suis forcément la connasse de quelqu'un aussi. Tu vas t'entraîner? Non, moi je veux des Sims beaux, hein, Adonis, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ce gras, là. Regardez ça. Ça va plus du tout, là. Tu me fais pas rêver. Bon, il a jamais eu les abdos, hein, quand je l'ai fait emménager. Mais ça empêche pas. Bon, là, il va pas faire les abdos, mais... Tu dois faire quoi pour ton taf, toi? Niveau 4 de la compétence robotique. Bidouiller quelque chose. Bah, tu feras après. Voilà. Non, mais... Lavande. Qu'est-ce qu'elles ont? Mais non. Tu sais, t'es fatiguée, tu vas dormir, hein. En plus, tu dois pisser. Non, mais... Allez, tu vas... Et en plus, t'es indépendante. D'où tu as besoin de moi pour pisser? Non, mais depuis quand? Ah, toi aussi, tu peux aller pisser. Oh, yes, c'est bon, ça. Elles ont dormi jusqu'à plus de 14 heures parce que c'est à cette heure-là qu'elles sont parties en garderie. Et elles sont quand même fatiguées. C'est quoi ces gosses là? Ça se saurait si les gosses étaient fatigués. Ça arrêterait d'hurler en permanence. Adonis, tu as perdu ta superbe. C'est ça! Qu'est-ce que tu. C'est intéressant de voir ta fille en train de chier? Non, je pose la question. Tu peux t'entraîner à chanter. On va voir si ça va mieux. Si ça fait augmenter plus rapidement son taux de chant, sa compétence. Moi j'ai moins 8 en chant. Je suis à l'inverse d'elle. Ça fait pas avancer des masses, hein.
Bon, allez, mon stress. Non, tu vas pas prendre un bain, tu crois quoi? T'es pas au palais, ici, hein? Par contre, je suis une connasse avec mes Sims. Ça par contre... Mais oui, mais ils peuvent rien dire, ils peuvent pas se rebeller. Enfin, ils m'en font déjà assez voir comme ça, donc... Elle est partie se... T'as une chambre, hein, Georgette? Ouais. Zuba aussi, si tu veux. On t'a fait une chambre, hein, mais bon. Attribue un lit. Ouais, ce que je vais pas attribuer. T'iras dormir, hein. La 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 la. Pardon. Lui, il bidouille. Il bidouille, il bidouille. Bah, pas commencé. Tu crois qu'il fait quoi, là? Qu'il fait du tricot? D'habitude, tu ne commences pas à jouer aussitôt, j'étais surprise. Oui, bah parce qu'il y a le live des Sims à 20h, en fait. C'est pour ça que je commence plus tôt. C'est un peu à l'arrache, hein, mais ouais, je m'en suis pas rendu compte, en fait. Quand j'ai calculé 20h, j'ai dit, bah ouais, mais si mon épisode, il fait 1h30, bah 18h30 pile, faut que je commence à jouer. Forcément, on a été rapide aujourd'hui. Mais pourquoi il me dit que ça a pas commencé? Écoutez, mon truc. Oh, ouais. Ah si, ça y est, c'est terminé maintenant. Oh, ok, très bien. Tu vas épicer. Est-ce que tu auras la foi d'aller jusque là-bas? Faudra bien, mon petit, hein. Ah, mais en plus, il travaille pas, on est samedi. Oh, j'avais pas vu. C'est le week-end, alors elle bosse, mais lui, il bosse pas. Bon, eh ben écoutez, D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça, je chante. Alors, Jean-Pierre, tu vas venir là. Il s'appelle Adonis, ouais, je le sais. Ok, hop. Et vous allez... Nekae. Oh. Pardon. Allez, un peu de sport en chambre. C'est marrant si ça faisait monter vraiment le fitness, vous imaginez? Ce serait rigolo. Genre, a découvert le sport en chambre. Plus un en fitness. Ce serait marrant. Ouh, bah dis donc, ça fait vraiment des étincelles dès le départ. Les plumes et tout, vas-y, hein. Ah, c'est un lit magique aussi, c'est normal. C'est pour ça. Elle est là, le pionce. Mais, il y a encore des étincelles. D'habitude, j'ai pas ça. J'ai pas toujours des étincelles. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être à cause du lit. Encore? 4h du mat. Heureusement, elle se lève tard. Elle travaille 14h, donc... Elle a le temps de se lever. Fais-moi voir ça. Agréable. Sans plus. Ouais, c'était pas mal. Ah, c'était pas non plus... Oh, c'est bientôt l'anniversaire de Lavande et le Lila. Mais quel bonheur. Lavande qui pue toujours autant. Journée du jargon de pirate. Arrgh. Donc je voulais regarder. Dans un jour. Tout à fait. Ah bah t'es déjà levé toi? T'as pas école, hein. Tu sais que tu peux glander. Oh merde, les boulettes. Je les ai pas rentrées. Ah bah elles sont pourries. Coup dur pour Shirley. C'est beau la vie d'un bébé. Les chats aussi, c'est pas mal. On a tourné toute l'après-midi, c'est dur d'être sous le feu des projecteurs. Ah oui, c'est vrai, c'est Anana. C'est vrai. Lavande, elle sent pas la rose, non. Elle sent pas la lavande non plus, elle sent le bon gros caca. Non, mais là, papa, il bosse pas. Tu crois qu'il va faire quoi? Il va s'en occuper, il va pouvoir laver ses fesses. C'est essentiel. C'est bien comme ça. Quel calme. On en profite avant que ça dégénère. Qu'est-ce que tu fais toi? Bah écoute, fais la vaisselle, vas-y hein. Tu t'ennuies là. T'as plein de petites assiettes, regarde. On t'a fait plein de cadeaux. T'as mis des assiettes un peu partout. C'est à toi de les trouver, c'est comme Pâques. Pâques avec les œufs, bah là c'est les assiettes sales. C'est fantastique la vie. Regarde-moi ça. Lac.
C'est bien. Tu vas enlever la nourriture gâtée aussi, s'il te plaise. Et demain, c'est déjà la soirée Netflix, évidemment. Comment ne pas passer à côté, s'asperger d'eau de mer. Allez. Adonis est debout. Il se tape un bain. T'as bien raison. Et puis après, tu vas pouvoir donner un bain. Bah, on va la lever. On va la lever, tu vas venir là, cocotte. La deuxième, ça va. Allez, lavande. Bouge tes petits cuisseaux. Papa, sors de ton bang. Hop, bain de mousse. Lavande, c'est y part. On s'est organisé au poil de au poil ici, hein. C'est pire qu'à l'armée, hein. Hop. Ah, maman, elle a envie de pipi. Maman nuage. Ah là là. J'aime l'humour, moi aussi. J'adore rire. J'adore rire. Oh, c'est incroyable, regardez. Regardez. Elle voit quelque chose de... Absolument. Merde, j'ai changé la scène, je le sais. Je m'en rends compte, ne m'inquiétez pas. Je suis pas appuyé sur la bonne touche, c'est pour ça. Incroyable la vie. Non, il n'y a rien d'intéressant. Alors, nuage, nuage. Et loin que la nuit et le jour, nuage. Tu vas servir le brunch des pancakes. Ah bah regardez, ça va mieux. Elle a de la tension, elle a de l'hygiène qui remonte. La vessie, t'inquiète, elle va faire ça tout de suite. Regardez-moi qu'elle est moumoune avec sa petite salopette toute violette. J'ai beaucoup d'espoir en les jumelles. Hein. Parce qu'elles ont les yeux bleus? Oui. Surtout parce qu'elles ont les yeux bleu-vert, en fait. Vous êtes très discret ou mon truc il est crassé? Je pense que vous êtes très discret. Ouais. Oh là là, il est jamais content lui. Pas de lait, pas de l'eau. Pas salé, pas de la nature. Alors, est-ce que ta sœur a fini de son caca le temps que t'ailles là-bas? Je suis pas sûre. Non, bah écoute, tu vas aller en bas. Tu vas faire ton caca, toi, ici. Hop! C'est beau, la vie. Pendant que maman fait des pancakes. Papa... Oh, papa, il met la table! Me témoignons tout plein. Va te soulager par-dessus bord. Ah, et... ils sont longs, tes pancakes à faire, non? Un petit peu? Un petit peu, quand même. Déjà? Ah oui, non, mais... Tu les fais, tes pancakes, ou quoi? Parce que bon, au bout d'un moment, on va commencer à se poser des questions, là. Non, tu t'occupes pas des gosses, tu fais des pancakes. Mais c'est sérieux? Attendez, je l'ai levé à quelle heure? Là, elle a commencé à quelle heure à faire à bouffer? Parce que ça devient n'importe quoi. Seul jeu où tu peux dire ça, alors, est-ce que tu as fini ton caca? T'as fini ton caca. Bah quoi? C'est normal, non? Oh, tu te tais, toi! Arrête ta crise! Saleté. Bon, bah là, il y a à bouffer, qu'est-ce qu'elle se plaint? Ce jeu où tu peux dire ça, alors tu finis ton caca. Mais non, tu peux le dire aussi à ta fille, mais c'est pas un jeu! Mais bon. Demain, j'ai deux partiels dans la même journée. Oh la vache. Salut, Missyoko, comment tu vas? En vrai, il y a Nintendogs aussi. J'avoue. Enfin, même si j'ai jamais joué. Elle, c'est bon. Elle, on s'en fout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage. Elle nous coûte moins cher qu'une femme de ménage, hein, c'est bien. C'est bien. Ah, ça pète. Tu as l'air de voir... Ouais, il fallait au boulot, ma cocotte. Ah, maintenant, c'est une tenue bleue. Bah, c'est toujours aussi peu sexy, hein. Bon, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose, hein, que Mini... que Nuage est déjà parti au boulot. OMG. Bah, écoute, tu vas discuter un peu avec les collègues. Pas longtemps. Tu vas travailler dur surtout. Alors papa, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire la vaisselle. Les gamines ont mangé, on peut ranger.
Alors, elles sont où? Elles sont là. Tu vas voir ta petite. Voilà, parce qu'elle a besoin d'attention. Donner un bain? Non, c'est bon. On va jouer avec elle. Voilà, ça c'est fait. Parce que, voilà. Sinon, tout va bien. Je pense pas que je vais hurler aujourd'hui. Du moins, pas trop. Elle est à fond, hein. Elle va faire le ménage, hein. Bien, on a une, je vous dis, on a une femme de ménage qui est pas chère. Il est très joueur, elle va nous claquer dans les pattes. Oh, regarde ça. Ça remonte vite. Puis tu joueras après avec l'autre, hein, parce que bon. Quand elle aura fini. Bon, tu. Parle pas! Bon, toi, fais le ménage, toi. Allez, là, zou. Bon. Les Sims qui font jamais ce que je leur demande au moment où je leur demande, c'est merveilleux. Salut Clara, désolé pas être là jusqu'au début, mais j'aime vraiment. Bah pas de soucis, t'inquiète, salut. Ah ouais, tous mes toutous sont toujours vivants, c'est ma fille qui s'en occupe. Oh, t'as tout. Qui s'énerve. Toutou que j'ai pas promené depuis 2002. Oh! Ah, les deux Nintendogs! Ah d'accord, j'ai eu peur. Mais mec! Il a pas fait ce que j'ai demandé! Ça m'énerve, ça y est, ça commence à me tendre cette histoire. Alors, un nouveau défi. Nuage a besoin d'un nouveau défi au travail. Comment la demande-t-elle à son patron? Faire des suggestions ou demander clairement un défi? Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Ce jeu m'a menti sur le dressage des chiens, c'est carrément plus dur dans la vie. Et leur apprendre à faire le beau et tutti quanti. Bah, tu m'étonnes. Alors, demandez clairement. Une voix. Sianana. Deux fois pour demander clairement. Quand ça atteint 4, je le fais au bout d'un moment. Hein. N'hésitez pas. C'est vous qui choisissez. Après, je vous fouette en fait. C'est juste ça le délire. C'est que si vous faites une perte de performance, je vous fouette. Mais bon. Il suffit de pas. Ça, c'est des jeux, hein. Attends. Merci. Soyons clairs. Donc, on va clairement aller. Ok, c'est bon. Gain de performance, merci. Alors, toi, je t'ai demandé quoi? Tu vas commencer à me courir sur le haricot, je te le dis direct. Je t'ai dit, jouer avec ta gosse. Et toi, t'as pas fini. Mais sérieux? Mais ils ont quoi comme problème? Qui c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin encore là, dehors? Oh non, dites. C'est quoi ça? C'est vieux en plus, c'est fripé. Alexandra Abdelkader. Bah, on te connaît pas? Tu crois quoi, toi? Bon, l'autre, la prune, elle peut faire ce qu'elle veut, je m'en fiche! Bon, tu joues? Mais quoi? Mais ils peuvent pas jouer? Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de place? Qu'est-ce qui se passe? Après, je m'en fous, moi, son attention elle est remontée, on peut s'arrêter là. Hein. Voilà! Bah quand même! Anna! J'aime qu'on me fouette. Oh! Oh! Tant pis, hein, pour les suggestions, vous êtes arrivés trop tard. Salut Marjorie, comment tu vas? Voilà, okay. Wouhou! Moi, quand je fais ça avec mes chats, ils sont pas contents. Je comprends pas pourquoi. Mais c'est marrant aussi. Ah, super! Top! Et là, elle va refaire la vaisselle. C'est magnifique. Tu vas refaire ça avec la deuxième, s'il te plaît. Oh, il a mal au dos! Oh ben, flûte alors! Je suis désolée, Lila, mais il a clairement une préférence, ton père. Clairement une préférence. Il va aller surtout courir après, hein. Il va s'entraîner un petit peu pour perdre son petit gras.
En vrai, si ça marchait aussi bien dans la vraie vie, vous inquiétez pas, je l'aurais fait depuis longtemps. Cette animation est vraiment trop chou, je m'en lasse pas. Ah ouais, mais moi non plus. Elle est vraiment trop choupette. Pourtant, à quel point vous j'aime les bambins, vous le savez, vous aussi. Hein. Alors, on est toujours en travailler dur. Très bien. De toute façon, on gagnera pas de... On gagnera pas, je pense, promotion aujourd'hui, hein. On vient de la gagner. Un peu de détendre. Ah, ça monte un petit peu. Bon. Ah, il lui a fait un câlin, normalement, c'est bon. Tu vas babiller, tu parles... Oh, Bana va parler d'art avec sa sœur. Parler de princesse, d'art. Oh, voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Eh, hey, gros gloubi-boulga de gamine, là. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Elles vont se parler les unes les autres. Ça va les occuper pendant 5 minutes. Voilà, clac. Et puis, tu vas parler aussi d'art à ta sœur jumelle. Voilà. Anna. Ah, Denise, j'ai envie d'un test Sakura. Non. Tu vas le boire toute seule. Allez! Sois beau, hein. Sauf quand elle bug et que tu te retrouves avec un Sims qui a les bras dans le vent. Qui a les bras comme ça en arrière. Première source de rage chez les joueurs Sims. Ah, je sais pas si tout le monde rage sur les bambins. Je sais pas. Moi, un petit peu quand même. Surtout quand il y a des jumeaux. Je crois que maintenant faut que je m'y prépare qu'à chaque grossesse ça peut être ça parce que vu le nombre de jumeaux que j'ai eu en peu de temps ces derniers mois c'est flippant, c'est quand même flippant. Salut Kirikav, ça bug beaucoup aujourd'hui les Sims chez vous parce que moi oui j'ai pas joué aujourd'hui à part maintenant donc je peux pas te dire j'ai pas. Bah, ça bug oui et non, dans le sens où des fois je suis en train de faire toute une liste de choses qu'ils doivent faire et au final ils en font rien parce que ça a sauté pour aucune raison en fait. Demandez comment le vent souffle aujourd'hui. Faire connaissance. Élimine la journée. Je pense que au niveau du menton ça va pas être GG hein, pour les. J'ai peur. Elle, je sais qu'elle a pas un beau menton. Oui, il y a un problème de menton sur deux histoires Sims. Le pire, c'est Marie qui rage à cause du lit bambin. Parce que normalement, je crois qu'il faut un écart entre les deux. Perle, bah non, Perle. Non. Elle travaille dur, cocotte. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, t'as cru que... Non? Ah, bah non, mon coco. Robot nettoyeur, bah tiens. Bah oui, mais non. Tu vas bidouiller. Tu crois quoi? Que la vie, c'était un curly. Et tu vas repousser tes limites après sur la machine de torture derrière. Hein. Ça va passer vite, je pense, le week-end, là. Ça va être quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais non, poupée. Pauvre petite poupée. Voilà, tu joues au cube, t'es contente. Je vais regarder. Pour l'instant, c'est pas encore maintenant. Lui, je le surveille. Remarque, la robotique, je le fais tellement avec Matisse en ce moment que, bon. Voilà, quoi. Je ne découvre plus rien. Moi, je reste sur les adultes qui font n'importe quoi avec. Oh, punaise. Mais la semaine dernière, souviens-toi, j'ai pété un boulard. Hein. Dès qu'il y a un bambin, de toute façon, c'est l'enfer. Ils sont obsédés avec les bambins. Tu leur dis, va te laver, ils pensent bambin. Tu leur dis, va dormir, ils pensent bambin. Ben, rien à voir, quoi. Honnêtement, je rage plus sur les ados que sur les bambins avec leur humeur tous les 5 matins. J'avoue, ils sont un peu relous, des fois. Faut que je change mon PC, il est tombé en rade la deuxième semaine du confinement. Ça fait 2 mois que j'ai pas joué. Wow, Sean, je sais pas comment tu fais. Surtout que moi, mon PC, c'est ma vie, tu vois. Enfin, j'ai pas de télé. Au pire, j'ai la tablette, je pourrais toujours regarder du Netflix et tout ça, mais je pense que j'aurais pas pu tenir aussi longtemps que toi. Bon, bah, en plus, parce que j'ai une chaîne et tout, donc ce serait relou. Mais même tout court, quoi. Je pourrais pas, je pense. Ce serait trop compliqué dans ma vie, je pense. Ah, venez, venez. Ah, 2 pièces de robot. Allez, vas-y! On veut des pecs! Ah! Nunu est rentré! C'est quoi cette tête?
Bah, ma belle, elle est belle quand même, hein. Son seul défaut, c'est ses yeux marrons, hein. Mais elle est belle, hein. Elle est belle. C'était ça, cet air concentré incroyable. Mais non. Cette tête. Et moi, je lui fais des compliments et tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle largue un gros pet dégueulasse. T'es grave, nuage. T'es grave, grave, grave. Vas-y, te soulager par-dessus bord, tiens. Tu vas partager des secrets avec ta fille, donner des paroles d'encouragement. Et puis, t'es combien en éducation? Est-ce que tu veux l'éduquer ce soir? 6! En faisant pratiquement rien, c'est ça qui est beau. Éducation, inciter à... mettre la table, allez. Je viens de larguer un gros pet dégueulasse! Oh, c'est pas vrai! Oh, si, ça sentait le mort! Ma télé, mes soeurs pour YouTube, Netflix et Twitch, du coup, mais du coup, je te regarde jouer pour parler mon manque de Sims. Ah bah écoute, moi j'ai zéro télé, tu vois, donc ce serait difficile. Tu as le pack être parent. Je pensais que ta question était pour moi, mais non. Je sais pas si ça a fait augmenter. Un petit peu quand même. Ça a augmenté? Tu vas chanter un peu, tiens. Allez, pour changer. Ah oh, ouais, bonne soirée. Je l'aime trop cette chanson. Jazz, allez, on va faire des autres hein, quand même. House, week-end festif. Disco, les Sims funky. Allez. T'as raison, utilise ta fille comme esclave. De toute façon, 66% là, quand même. J'aime bien. On est bientôt. On est à 4% du niveau 9. C'est incroyable. Chant, voilà. On est chant niveau 8. Chant trop bien. Bah, niveau 8 quand même. Bah, non, Shirley, je sais que tu as tous les packs. Non, mais voilà. Non, mais des fois, je vois vos... en fait, je vois vos trucs. Je pense que vous vous adressez à moi, mais en fait, non. Donc, je vous lis à moitié en fait. Jusqu'à temps que je me rends compte que. Bah, quand même, c'est pas à moi en fait qu'on parle. Fais voir tes pecs. Fais voir si t'as perdu du gras, mon coco, là, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse, hein. Ah, quand même, regardez, les abdos sont de retour un petit peu. Il faut qu'ils sèchent maintenant. Très bien. Bah, tu vas sécher, tu vas prendre, tu vas t'asperger d'eau de mer. Tu vas te soulager par-dessus bord. Tu vas manger un truc aussi. Il est minuit quasiment. Ouais. T'iras dormir après. Et il est éreinté. Ouais. Tous mes Sims sont éreintés dès qu'ils font un peu de sport. Maintenant, ça devient grave, quoi. Mais regarde, ça te soulage, là. Ça fait du bien. Une petite touche. Pendant que Cocotte, elle chante. Elle bosse aussi le lendemain, de toute façon, donc... Elle bosse aussi le dimanche. Voilà, il n'y a que de la musique, hein, on t'entend pas. Hein. Moi, je m'en fous, on dit que ça fait augmenter ton chant.
Ça me dérange pas. On est loin du massacre. Ouais, ouais. Je sais même pas si j'ai déjà poussé un de mes Sims au niveau 10. Bon, ils ont oublié de mettre la voix, hein. J'ai l'impression de connaître la chanson en version normale. Ah bon? Ah, il y a un petit bug là sur la machine à karaoké. Soubi dizi a balay balaboum. Mi panapé boum. Penene! Celle-là, ça ressemble à... Je sais plus. Je sais pas pourquoi, ma maison est jaune. Tu t'inspires, peut-être. Oh, merde! Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Pourquoi elle est contente? Tu vas te coucher? Eh, ils savent pas se gérer, c'est ch... Oh! Pas dormir. Oh, elle a trop peur! Moi aussi, j'ai trop peur! Va jouer à la poupée. Ah! Ça va t'arriver, sa sœur, saleté. En même temps, la sœur, elle va jouer au docteur, tiens. On entend la musique. C'est trop bien qu'ils aient fait ça aussi, genre on entend la musique et tout des autres étages. Plus ou moins fort et tout. Je trouve ça trop bien. Bravo Nunu! Tu peux aller manger Nunu! Et lui? Ah bah lui il va se coucher. Bon, c'est bien, il a... Qu'est-ce que tu fais? T'as pas été pisseur, je t'ai demandé, hein. Ah non, non, mais là Adonis, ça ne va plus. Hein. Tiens, pour la peine, tu nettoieras le pot. Tant pis, hein, fallait faire ce que je t'ai demandé. Non, pas allumer, dormir. Voilà, ça tout le monde va s'occupe. Oh, allez, il reste plus très longtemps avant que les jumelles grandissent. Voilà, zéro, merveilleux. Dès qu'elle peut se coucher, elle ira se recoucher. Je fais un cauchemar. Ma vie est morte. Ma vie est pourrie. Non, tu penses pas à ta, gosse. Oh, elle grandit quand? Dans 7 jours. Nuage. Nunu! Tu peux encore chanter un peu, non? Nuit après nuit. Allez, une petite dernière avant d'aller au lit. Ça, nous, on pourra chanter avec toi aussi. Quand tu veux, Claudette? Dans 25 minutes? On va attendre un peu. Non! Non! Non. Tu vas, qu'est-ce que c'est la cheminée pendant ce temps-là? Ouais, plutôt. Allez, go! Oh, va dormir. Oula! Tionana! Encore. Visage qui pleure, visage souriant embarrassé, visage neutre, visage triomphant, visage avec des larmes de joie, visage à l'envers. Ok. C'est inspiré de vraies chansons, je pense que quand même Station Radio, il y a des reprises de Westrit. Ah, je pense que je sais pas. Je me demande si c'est des vrais chanteurs ou apprendre. Bah, je pense, oui. Oui, il y a des vrais doubleurs, hein, donc ils... Bah oui, ceux qui... Même quand tes Sims parlent, tout, c'est des doubleurs, quoi. C'est des vrais gens qui ont des textes simlish qui doivent les lire. Salut, Cerisier, comment tu vas? Eh ouais, non, mais Cyanana, elle aime bien cumuler les bannes de Nightbot. Elle est où, Oli? Elle est où, Georgette, là? C'est... Une petite femme de ménage, hein. Vas-y, bon, allez, je vais pas lui dire non, hein. Ah non, alors toi. Il faut toujours avoir un œil sur les bambins. Arrobase Nightbow, doigt d'honneur, doigt d'honneur. I am shocked. C'est elle qui a fait un cauchemar maintenant. Hey, le retour de la bouffe. T'as rien bouffé? Donne les poivrons à ta sœur. Les fameux poivrons magiques, hein, qui ont été mangés, remangés, régurgités, avalés.
Qu'est-ce que c'est? Mais elle a pas nettoyé l'autre là? Bah aussi, mais... En attendant de faire mieux, hein. Tu vas faire un câlin, tu vas qu'est-ce que c'est? Tu vas parler. Tu vas prévoir des tenues? Non, tu vas pas prévoir des tenues. Ah, c'est trop bien les câlins! Oh non, l'autre elle se lève aussi. Oh, mais vous me cassez les pieds! Oh! C'est pas vrai, hein. On va encore recommencer le bordel. Hein. Je vais leur donner à bouffer. Les pancakes, la gamelle du chien va être servie. Vous pouvez bouffer, toutes les deux. Allez hop. Toi t'arrêtes, t'es ce que tu fais, tu vas manger aussi. Tant pis, les poivrons, ils seront peut-être digérés. Peut-être qu'ils ne réapparaîtront pas, les fameux poivrons. On ne sait pas. Est-ce qu'il faut que t'ailles quand même aller dans la chambre de tes parents pour bouffer tes pancakes? T'avais envie de casser les pieds jusqu'au bout. Très bien. Ça, tant qu'elles bouffent après, elles pourront retourner se coucher. Voilà, elle va mieux. Ouais, tu vas dormir. C'est ta grande sœur qui fera le ménage demain matin. Soirée Netflix! Bah, de toute façon, comme Nuage elle bosse et qu'elle rentre à 21h, ce sera qu'à 21h qu'on pourra regarder la télé. Qu'est-ce que tu fais, toi? Regarde, je surveille. Elle peut toujours pas dormir. Tu peux retourner là. Qu'est-ce que c'est? Contempler Coccinelle. Merveilleux. Fantastique. Incroyable. Quelques minutes encore à attendre. Ah. Oh. Allez, go dormir. Saine. Fallait rester saine, soyons saines. Du sang-teint dans les veines, soyons saines. J'ai dû garder un enfant qui a un petit retard mental, du coup il pleurait tout le temps. Ah, c'est pas cool ça. Pas pour lui, le fait qu'il pleure tout le temps, quoi. Je veux faire ça quand je serai plus grande, le métier de mes rêves. C'est-à-dire, qui c'est qui crie? C'est toi qui gueule là? T'as besoin de pisser? À faire caca en colère? À prendre ta douche, tu pues. Hey, wait till the baby, shake the baby, vile. Oh. Hey, this is the baby, gotta be the baby, vile. Je m'emporte. Pourquoi quand tu mets un toit vitré, il n'y a pas les mêmes effets que vous? Lumière qui rentre dans la pièce. Faut voir l'orientation. L'orientation de ta maison si le soleil tape à cet endroit-là. Parce que si, si tu as déjà quelque chose devant et que du coup il n'y a pas de rayon de soleil dessus, tu n'auras pas de lumière qui va rentrer. Enfin, tu auras de la lumière mais pas des rayons de soleil typiquement. Je sais pas parce que je vois pas ta maison, je peux pas dire. Il y a une heure Netflix apparemment. Ouais! C'est vrai que maintenant il paraît qu'il y a des heures. C'est l'heure d'aller regarder Netflix. Bah non, il n'y a pas d'heure pour Netflix. C'est pour ça que ça s'appelle Flix, d'ailleurs. Parce que c'est flexible. La flexibilité. Oh, le petit lapin. Il est 10 heures là. Bah tiens, juste quand je me dis qu'il va se lever, il se lève. C'est merveilleux, mais mon petit Adonis, tu vas refaire à manger. Tu vas sortir le brunch des toasts avec des œufs. Ça, tu pourras manger et après, tu iras faire du sport. Alors que Nuage, bah, elle a dormi aussi de ouf, elle, déjà. Ah bah, c'est encore plus merveilleux. Aujourd'hui, j'ai envie de dire merveilleux à toutes les sauces. Ou en ce moment, je sais pas. Il vaut mieux merveilleux que... Eh oh, me fous pas le feu, tu l'as déjà fait, hein. Ouais, fais gaffe, hein. Allez, quand même un petit peu dessiné, là. On va continuer pour qu'il se sculpte, pour qu'il montre à sa femme après qu'il est beau gosse. Et elle pourra aller contempler ça sous la couette. En vrai, chez les autres, des bambins, c'est tellement chiant qu'on pourrait faire un challenge à elle seule. Oh, punaise, ouais. Le challenge de la chaise haute. Vous jouez normal, mais dès que vous avez un bambin, tous les repas sont dans la chaise haute. L'enfer. Faut mettre la lumière. Ah ouais, je joue la flemme. C'est pas grave, elles vont grandir là.
Qu'est-ce que tu fais? Toi pour mettre la... On s'en fout non que tu mettes la table. Va chanter. Ou va courir, je sais pas. Il est... Ouais, va faire un entraînement. Vu que t'es en bon état, tu vas courir. Nucci! Wenoho! Mais je connais même les paroles des Sims. C'est à force de jouer. Mais tu vas arrêter, tu vas pas emmerder ta mère. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit, Adonis, qu'est-ce que je t'ai dit? T'es chelou là, t'es gaulé chelou. Qu'est-ce que je t'ai dit? De pas foutre le feu! Allez, bouge ton schlarve! Et éteins! Oh là là, les gommes, hein, les bambins. Mais éteins! Bon sang de con de Sims! Oh, c'est pas vrai! Oh bah merci Nuage, hein. Franchement ton mec sert à rien. Hein. Bah vous boufferez pas aujourd'hui, écoutez. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Va arrêter avec les bambins, là c'est bon. Là faut casser les couilles avec les bambins. Je vais me faire une salade. Ah, j'en ai marre, hein. Et elle est restée là. Bon, Nuage, tu retournes courir. Merde, je boule. La chance incroyable. Hein? Espèce d'idiot, va. Salut mon soldat, comment tu vas? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de lumière du tout, ça fait comme un toit normal. Ouais, c'est pas logique. Tu fais l'empathie. On va faire la vaisselle. Feu de joie, c'est ça. Salut Quentin! Si tu mets pas la lumière, tu vas t'en mordre les doigts quand elles seront enfants, visage avec des larmes de joie. Mais non, mais c'est bon, elles vont l'avoir leur truc en étant enfant. Tu peux pas faire comme ta sœur et jouer normalement dans une maison de poupée en fait. T'as juste envie de faire chier pour être dégueulasse, t'as envie d'attirer l'attention. C'est pas grave, t'auras pas de bain. Oh bon sang. Oh là là, on n'aura pas le temps. On sera obligé de faire des gâtales. Ah, je vous jure. Fous pas le feu, hein. Oh, le niveau 9 de fitness pour Nuage. Super. On va y arriver. On va y arriver, cocotte. Faire ça du coup. Non, ouais, si, allez, vas-y, aujourd'hui tu fais du sport. Oh, mais c'est toi qui a juté là, hein. Qu'est-ce que c'est pas nous, hein? On va pas râler parce que t'as juté, cocotte. Hein. La femme de la situation. Mais oui, comment une pizza? Oui, j'y ai pensé. Hein. J'arrive et on allume le feu. Bah oui, c'est pour. Ouais, exactement, c'est pour mieux t'accueillir, tu vois. Elle est comme moi quand j'étais bambin, elle aime les WC. Ah ouais. C'est pour ce qu'il faut faire, Quentin, quand même. Hein. Elle se lave comme elle peut. J'avoue. Pourquoi responsabilité? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Regarde, c'est ta grand... Mais Prune, c'est la femme de ménage, cette gosse. Elle a pas le très soigné, mais elle soigne tout. Enfin, elle soigne tout. Elle nettoie tout. Dès que papa, il aura fini de faire ce con, là, avec sa cuisine, toi, t'as pas faim? Aussi, tu vas voir. Toujours du bonheur. Papa, il va laver le cul de Lila. Really? No, what I'm doing? Rien du tout, oui, il va rester crade. On a foutre. Ah, il peut pas, monsieur. Oh là là, mon dieu, c'est sale, j'ai foutu le feu et comme je suis un gros con, ben...
tu fais? Laisse ces gosses tranquilles, bon sang. Occupe-toi de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Surface crade, objet sale. Mais c'est ton problème, ça? Voilà, très bien. Tu viendras te courir. C'est tard d'aller. Oh, 3/4 heure de retard. Nuage! 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 Mais va pas jouer à la poupée non plus. T'es à la bourre. 1 heure de retard. Tu vas te faire engueuler, hein. Ouais, vas-y, laisse chez Bot parce que t'es mal barré. Tu vas faire du sport, toi. Tant pis, hein. Lila va rester crade. Elle se lavera quand elle sera à sa plus grande parce que là. Tant pis! On peut renommer Prune Cosette. C'est... Moi je l'ai pas forcé, hein. C'est inné. Hein. Non, non, si elle a lâché un prout pas plus tard que la veille, hein. T'inquiète. Elle faisait une. Je dis, ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle, oh elle est belle. Et puis juste après. Ok. Tout à l'heure, elle a lâché un énorme P bien dégueu. Performance excellente. Oh, non. Oh, tu peux me laver le cul? Je suis sale. Je pue des fesses. Non, pas être pour le pot, non. Pot tout court. T'es grande, tu peux, tu peux. Et toi, tu peux jouer aussi, tu sais. Ok. En fait, elle nettoie tout pour pouvoir foutre et même le bordel. C'est bien, c'est une façon de faire, hein. Bon, je ne valide pas forcément, mais... Après tout, qui sommes-nous pour juger? Attends, niveau 10 à compétence fitness pour la truc, ok. T'as pas fini? Tu vas repousser tes limites? Allez. Ah, moi, je m'en fous, Adonis. Avec un prénom comme tu as... Faut que tu sois beau gosse. T'as une peau couleur chocolat, mais t'as pas les carrés, ni la tablette. Plus que 20 minutes, oui, je sais. Prune ferait bien que ça va quelque chose. Elle a accepté son destin, pas être héritière, c'est ça. On va la garder à la maison. Elle fera les tâches ménagères, tu sais. Si tu comptes être propre, ne pas écher ta maman, il faut se plaindre. En trichant, j'ai détruit. Mais Quentin, t'as tous les packs aussi? Parce que bon. Je pense que. Moi aussi, avant, j'ai fait quand même le challenge 7 bambins, je vous rappelle. Hein, donc. J'ai su supporter les bambins sans problème. Parce qu'en fait, ils faisaient pas autant de. Ça allait très très bien, en fait. Hein, ils étaient bien. Hein, ils faisaient pas de crise, machin, ça allait. Hein. Voilà. Entre 4 parents a changé la donne. Coco! Coco! Ah, tu vas épicer? J'ai enlevé ça. Alors que c'est intéressant quand même. Bon, lui, je sais pas si je lui demande de faire les gâteaux, mais je pense parce que. Sinon, on va jamais y arriver, hein. Je te jure, elle fait vraiment le ménage, c'est incroyable. Tu vas cuisiner le gâtal blanc. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Il est flit and flex. C'est quoi ça? Mais c'est merveilleux! Regarde! T'as un fiancé qui arrive à ta porte. Oh, il a l'air choupi, hein? Bon, ça va, hein? Bon, il a les yeux marrons. Mais en même temps, il a déjà les yeux marrons, donc c'est pas très très grave. Sa lignée sera aussi pourrie. Voilà, tu vas dire bonjour. Peu importe s'il soit beau ou pas. Je te caserai avec. Allez. Voilà. Voilà. C'est merveilleux. Non, Luc. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu n'as pas de famille. Tu penses à personne. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Excellente. Tu vas travailler dur. Elle était toujours en train de lécher les bottes du patron.
Ah, il y a moyen quand même, prochaine journée de taf, qu'on ait la promo, hein. Puis dès que je nuage rentre, anniversaire des gosses, hein, puis ce sera très très bien. Peut-être qu'on s'arrêtera là. Ce sera court, mais au moins on aura avancé un peu. On aura eu au moins une promotion, c'est déjà pas mal. Oublie pas les gâteaux. Non, c'est bon. J'ai tous les packs dont être mort. Ah bon, bah t'as de la chance qu'il t'ait pas causé de soucis, hein. Ok, Clara. Bah, à bientôt, là, ce week-end. En route pour les malheurs de Sophie. Pourquoi? Qui c'est, Sophie? Mais parle avec lui, là. Voilà. C'est la soirée Netflix. Ah, je l'avais oublié. Ah, chanter une chanson du jour férié. Qu'est-ce qu'il fait? Non, tu laisses tes gosses. Il est où le gâteau? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Et j'avais déjà un gâteau? J'ai fait un gâteau. Ah, mais il est là! Ah, ça va. Ah, bah, c'est bien. Tant mieux. Bah, mets les bougies. Ça fera. On a deux filles, donc c'est très bien. Un gâteau chacune. C'est très bien. Tu vas te calmer, ouais. Je sais pas, moi, va te décontracter, hein. Regarde la télé. Lui, il a déjà entamé la soirée Netflix, hein. Mon Nunu. Nunu, elle arrive. Nunu, elle arrive, les gosses. Et saleté, là, venez ici. Hop. Venez ici, pauvres enfants. Nunu, on n'a pas la promotion aujourd'hui. Ah, oh, zut, flûte. Eh ben, elle m'a refait un P. J'en fais plus de cette meuf. Elle est grave. Ah, allez, hop. Tout le monde va venir là. On va faire grandir les gamines, hein. Tout le monde vient là. Tout le monde, j'ai dit. Tout le monde, ouais. Ouais. Maman, tu vas faire anniversaire lavande. Oh, c'est bon, Mini, c'est bon. C'est bon, lavande est arrivée. Elle est où, l'autre, là? Putain, hey, tu ramènes tes fesses, toi, ou ça se passe comment, là? Elle est où? Hé, hey, elle est restée là-haut, cette idiote! Lila, je l'aime bien. Je traite tous mes Sims, moi. Salut, Dinette. J'allais, c'est l'heure de manger. Je pense qu'elle sera plus en live. Donc... Ok, bonne soirée à toi, Elisa. Des bisous. Elle n'a pas de fesses, mais une chambre à gaz. Oh, j'irai pas jusque-là quand même. Alors. Eh, mais t'as tout. T'as dit le mot qu'il fallait pas. Donc, Chantal, elle a pas parlé. Des bisous à toi, Tatou. Et merci, Bapt. Bapt la poste. Je n'arrive pas à bien lire. Je vois pas le nom en entier, mais Wisebrot va me le dire. Ah, voilà, elle a l'air ravie, la petite lavande, de grandir. Hein. Oh, regardez les anciens héritiers. Bordeaux. Oh, quel homme. Quel homme, pour Bordeaux. Oui, bête, la poste. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Attention. Happy birthday, Lavande. Lavandaire. Ta naissance était une évidence. Oh putain, le nez qu'elle a eu. Voilà. Alors, bah, masse, douche, bisous. Pas de soucis. On va lui mettre le trait, parce qu'il faut mettre un trait, évidemment. Bonne douche, Tatou. Sacré Chantal. Je sais, j'ai mis génie. Alors, je crois que c'est machine à danser. Mais je suis pas sûre que ce soit possible en son. Et réticent à s'engager. Je pense pas qu'on ait machine à danser, hein, de toute façon. Et restant à s'engager, c'est sûr. Donc en fait, ce sera... Ah, génie, hein. C'est bien ça, hein. Génie, ouais.
Et on va mettre le cervelle. Voilà. Et papa s'occuper de Lila. Hop. Tac. Dès qu'elle aura bougé ses fesses. Bah alors, on est en couche culotte. Elle a l'air ravie de vivre, évidemment. C'est marrant, hein, ils gardent la même... la tête. Ils gardent la même coiffure quand ils grandissent maintenant, les enfants. Elle a l'air vénère, mais elle a l'air mimi aussi quand même. Qu'est-ce que tu vas... Alors toi, t'as faim. T'as faim. Tu peux prendre un morceau. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. C'est ton gâteau, après tout. Punaise, Lila ! Quel enfer ! L'enfer sur Terre a-t-il un nom ? Les bambins du nom de Lila. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ils refont la même chose que la dernière fois. Ça m'énerve. Bon, mais viens aussi, Nuage, là. Tu peux faire quoi, là? Viens souhaiter l'anniversaire de ta fille. Oh. Oh là là. Faire 15 fois le truc. Cette petite Lila sera-t-elle belle, au moins? Bah, elle est là. Wouhouhou! Wouhouhou! Oh, quelle belle petite nuisette que tu as. Bon, pour l'instant, on peut pas trop juger, hein. Pareil, on va mettre cerveau plus génie. De toute façon, on peut faire que ça. Tac! Lila a grandi également. Et elle est tout aussi vénère que sa sœur. De visage Oh, je suis pas sûre qu'elle soit à voir, hein. De toute façon, ce sera pour l'adolescence qu'on verra mieux, hein, mais comment elle est vénère. Non, pour moi, elle a le même profil vénère que sa sœur, que la sœur Lavande. Voilà, voilà. Et la soirée Netflix. Oh my god, la soirée Netflix. Il est pas encore fini. On va regarder un film. Massacre au cœur de lune. Les diamants sont pour les Sims. Allez. Oh, tiens, Quentin, il est là, dans le coin. L'ex de Nuage. Non, Nuage, j'ai pas l'heure de manger. C'est l'heure de Netflixer, maintenant. Alors, si vous avez pas de place, tant pis, hein. Vous irez par terre. Hein. Premier arrivé, premier servi. Soirée Netflix en famille. C'est quoi cette tête? Oui, je sais qu'il va recommencer Missyoko, t'inquiète. Je vais finir... Quand ils seront couchés, donc ils vont regarder le petit film pour l'instant. Qu'est-ce que... Ah oui, le mec, il est encore là. Je sais déjà plus son nom. Bah là, il n'y a pas plus en famille, hein. On a même fait un extra. Le futur mari de Prune est là aussi. Non, mais alors là, si c'est pas de la famille, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va faire une petite pause. Sur les têtes. Ouais. Bon, après, j'ai une préférence pour Lavande parce que c'est la couleur du blond qui fait ça. Mais au niveau visage, j'arrive pas à trop voir de différence. Je verrai dans le CAS. S'il y en a. Ou si elles seront peut-être identiques, je ne sais pas. Netflix and chill. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, la vache, ils sont dans des états. Mais il y a du gâtal. Pourquoi vous prenez pas du gâtal? Allez hop, gâtal. Gâtal pour tout le monde. Elle doit pisser. Tiens, elle pisser. Maman, elle va prendre du gâtal aussi. Papa, elle va prendre du gâtal aussi. Allez. Voilà, ce n'est pas interdit de manger devant Netflix, hein, en même temps. C'est sur... c'est pas sur... Ni sur YouTube, ni sur Switch. C'est sur Twitch. Mais elles vont changer... Bah non, là, en tant qu'enfant, vu que la couleur violette n'est pas encore dispo, elles seront encore brunes et blondes. Pour moi, les différencier, ce sera quand elles seront toutes adolescentes que je changerai la couleur.
Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ah, c'est fini, ça y est. Bon, la soirée Netflix est faite. Netflix and chill. Et puis, Ouais. Bah, écoutez, on va changer la chambre, hein. Nous allons changer la chambre des demoiselles de Rochefort. Alors, on va mettre ça là, comme ça. Autour de papy et mamie. On va prendre le lit. Oh putain. Ça va me casser les pieds. Vas-y. Hop. Oh, non. Tout ça pour ça, hein, mon dieu. Ça, je vire. Mais voilà, mais pourquoi tant de haine? La lampe. La lampe anti-strement. Sinon, ça pue la même saveur. Il va pas vouloir me la mettre, d'accord, super. Ce jeu optimisé au max. Et la tablette qui s'éteint. Et c'est très bien. Je repasse en mode vie. Je dis aux filles... Alors, c'était pas Blarfy, hein, c'est ça. Elles vont pouvoir s'attribuer leur lit chacune. Toi, tu vas pouvoir aller pisser, puis dormir. Eh, hey, barrez-vous. Qu'est-ce que tu fais, toi? Va te coucher, t'es fatigué. Mais qu'est-ce qu'elle a? Oui, elle a dégoûtante, besoin de gégé. Ouais, mais tu te laveras demain matin. C'est pas grave, tout se passe bien. Se plaindre du jour de la soirée Netflix. Bon, je pense pas. Non. Taper dans le ballon. Chanter la chanson du jour férié. Même qui se... Vous avez complimenté. J'avais oublié qu'on lui a mis la vieille salopette de ski dégueulasse en truc d'hiver. Oh, on est vraiment des malpropres, hein, quand même. Je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ces fringues dégueulasses? Et c'est normal. Bon, ben voilà. Et merci Snowwall pour le follow, bienvenue à toi. Elle est bien leur chambre quand même. Oh, elle a de la place, ils ont de la place quand même les petites... Mon Romain, ça sert à rien de me faire le compte Harbour, hein. Je suis au courant. Très belle ville de Rochefort, j'ai visité avec l'Hermione. D'accord. C'est vrai que je sais. Non, c'est bon, arrêtez de parler. Allez faire des crapulades plutôt. C'est mieux. Pour le moral. C'est bon pour le moral. Bon, elle doit pisser, hein. C'est pas grave. Tu pisseras au lit s'il faut. On te mettra une couche. C'est horrible! C'est horrible, évidemment! Ils vont faire un petit crac-crac, je vais la faire aller au pipi. Ouais. C'est là qu'elle va sortir avant d'avoir fini. Ah, c'était horrible! D'accord, ok, bah écoutez, si c'est si horrible que ça de regarder un film en famille, moi je peux rien faire pour vous, hein, au bout d'un moment. C'est vrai que moi je regarde plutôt en mode solo, mais. Enfin, c'est chacun son truc. Et voilà, Nuage part se coucher. Bah vas-y, hein. Oui? Ah d'accord, ok. Très bien. Et c'est là-dessus que moi je vais enregistrer. Et je vais vous quitter ici pour cet épisode un peu plus court. Parce que en fait, nous avons le live des Sims qui commence. Donc que je vais aller regarder. Je vous fais des bisous. YouTube, à très bientôt, à la semaine prochaine pour la suite de nos sauveries. Ciao.